Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi chrétienne, soyez tous les bienvenus à cette rencontre d'études bibliques, l'étude de la parole du Seigneur que nous sommes en train d'entreprendre chaque mercredi lorsque nous nous retrouvons et nous partageons la parole de Dieu. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur avec Pont de Grâce ou Bridge of Grace Church. Et c'est un réel plaisir et une bénédiction pour moi de venir à vous et vous apporter cette étude de la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. J'espère que l'année a bien commencé pour vous tous. Hein. J'espère que l'année a bien commencé et que janvier vous a bien traité. Maintenant, vous êtes entre les mains de février. Non, vous êtes entre les mains du Seigneur. C'est lui qui vous dirige, c'est celui qui règne sur vous. Parce que c'est lui, votre Seigneur et votre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons, vous le remarquez, le décor a quelque peu changé. Hein? Donc, du coup, je suis ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, et plus précisément dans notre église, église Pont de Grâce, qui se réunit ici à Kinshasa chaque jeudi de 17h à 19h, et chaque dimanche de 8h. À 10h dans la matinée. Alors, c'est un plaisir de vous inviter encore à cette étude merveilleuse que nous sommes en train d'entreprendre depuis quelques années sur l'épître de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens à Éphèse, à l'église d'Éphèse, aux croyants qui s'y réunissaient. L'apôtre Paul a écrit cette lettre, ça fait 2000 ans passés, mais lorsque nous la lisons aujourd'hui, nous sentons qu'elle reste une lettre d'actualité, car elle est lourdement doctrinale, c'est-à-dire qu'elle nous présente la doctrine de la foi chrétienne en profondeur. Et vous vous souvenez, comme nous l'avons fait remarquer, l'épître a deux parties, divisée en deux parties. Les trois premiers chapitres portent sur l'exposition de la doctrine de la foi chrétienne en ce qui concerne le salut et ses implications dans la vie chrétienne, et particulièrement sur la relation entre chrétiens non-juifs et les chrétiens juifs. Paul insiste sur le fait que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, maintenant par le fait de notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ et les non-Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, ensemble nous sommes réunis, nous sommes unis dans cette nouvelle entité que l'apôtre appelle l'Église, c'est-à-dire cette nouvelle communauté de croyants en Jésus-Christ que Dieu a formée par l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Donc, c'est dire que c'est important pour nous de comprendre ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici, parce que à partir du chapitre 4, c'est-à-dire la deuxième partie du livre, il commence à tirer les implications de cette réalité-là. Et au chapitre 4, là où nous en sommes maintenant, l'apôtre Paul est en train donc de démontrer que maintenant que nous sommes unis en Christ, par le fait de l'œuvre de Christ à la croix pour nous, par le fait du Saint-Esprit qui est venu et qui est descendu et qui nous a unis en Jésus-Christ, eh ben, nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Et c'est le texte, c'est la thématique en fait du chapitre 4. Et l'apôtre Paul en parle ici de façon pratique, parce que au chapitre 2 et au chapitre 3, il en a parlé de façon spirituelle, ce que Dieu a réalisé par l'œuvre de Christ. Du coup, nous comprenons que l'unité de la foi chrétienne, l'unité dans la foi chrétienne n'est pas une production du croyant, n'est pas une production du chrétien. C'est pas le chrétien, c'est pas à nous de fabriquer l'unité. Non, Dieu nous a unis en Jésus-Christ, il nous a mis ensemble. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, nous devons vivre cette unité. C'est pourquoi, au chapitre 4, écoutez comment l'apôtre Paul commence ce chapitre. Il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. »
Quelle est cette vocation? Il en a parlé au chapitre 2 et 3. À l'unité de la foi, à l'unité de l'esprit. Il n'y a plus deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple. Israël n'est pas le seul peuple de Dieu. Dieu a pris les Israélites qui ont cru et il les a unis à nous qui sommes non-juifs, qui avons cru en Jésus-Christ, et nous formons un seul corps pour vivre comme une seule famille. Et c'est ça la vocation à laquelle il est en train de faire allusion. Il dit, de quelle manière? Mais remarquez maintenant que là, au chapitre 4, il en parle de façon pratique. Maintenant, en pratique, comment cela doit se faire? Spirituellement, Dieu accomplit cette œuvre que personne ne pouvait accomplir. Mais là, maintenant, en pratique, dans la vie de tous les jours, il dit, en toute humilité, au verset 2, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, la vocation chrétienne, la vocation d'adorateur de Christ, la vocation d'enfant de Dieu, d'enfant adoptif de Dieu par Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, verset 5, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il s'agit de Christ. Et cela ne peut pas être dit d'un autre prophète, c'est-à-dire des autres religions, qu'il serait monté au ciel, il est descendu et il habite dans chacun de croyants. Aucun prophète des autres religions n'habite dans le croyant. Mais nous, notre prophète, Jésus-Christ, le prophète par excellence, il habite en nous. Il habite en nous. Celui qui est descendu, verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ, je voulais dire en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à la vie, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est là que nous nous sommes arrêtés la fois dernière, vous vous souvenez de cette lecture. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à reprendre l'étude à partir du verset 28. Alors je vais en donner aussi lecture et nous allons nous y plonger. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Celui qui ne sort, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute espèce, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole du Seigneur. Alors avant de commencer, nous allons prier et recommander la portion d'aujourd'hui que nous allons partager au Seigneur et que Dieu nous conduise. Seigneur notre Dieu, combien il est merveilleux de s'approcher de toi et d'écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous purifie, ta parole nous sanctifie. Ta parole nous transforme. Merci pour cette opportunité de partager cette parole ensemble avec tous les bien-aimés connectés en ligne ou qui nous suivent en différé. Merci Seigneur, nous nous humilions devant toi. Comme des enfants, nous voulons apprendre de toi. Instruis-nous dans la vérité. Que bien plus tu nous aides à mettre cette parole en pratique dans la vie de tous les jours, dans nos foyers, dans nos familles, au lieu de travail, à l'école, partout où nous nous trouvons, à l'Église, dans la nation. Que toute la gloire te soit rendue pour la sagesse de l'Esprit. Au nom de Jésus, amen. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à notre étude de l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous commençons à partir du verset 28. Ici, dans ce chapitre, l'apôtre Paul est pratique. Il n'est plus dans les théories doctrinales. Là, il prend ce qu'il nous a enseigné et il voudrait que nous puissions l'appliquer dans la vie de tous les jours. Écoutez ce qu'il dit. À partir du verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ça, c'est tout simplement merveilleux ce qu'il est en train de dire ici. Vous savez, déjà quand vous lisez les 10 commandements, vous voyez que le vol est interdit. Car voler veut dire que vous n'avez pas de foi en Dieu, qu'il va vous donner ce que vous désirez. Et pour vous servir, vous volez, vous dérobez, vous prenez quelque chose qui appartient à autrui. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, et nous sommes en Jésus-Christ par le fait de la nouvelle naissance que le Saint-Esprit a produite en nous et qui a été extériorisée en nous par notre confession de foi. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et il n'est pas étonnant que la vie chrétienne s'appelle une vie de foi. C'est-à-dire une vie qui consiste à compter sur Dieu. Que la vie soit bonne ou mauvaise, que les temps soient bons ou mauvais, en tout temps, en tout lieu, en toute chose, comptez sur Dieu et sur Dieu seul. Du coup, nous commençons à comprendre pourquoi, dans plusieurs choses que l'apôtre Paul aurait pu dire, dans ce chapitre ici particulièrement, alors qu'il met l'emphase sur le besoin de l'unité de croyants, il parle aussi, en dehors du mensonge et de la colère
dont nous avons parlé la fois dernière. Maintenant, l'apôtre Paul parle du vol, de dérober. Parce que quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance en Dieu. Parce que le vol implique aussi l'envie. Personne ne peut voler s'il n'envie pas quelque chose qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et celui qui vole aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son identité. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il est. La Bible dit à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous vous souvenez au chapitre 1 de cette épître même de l'Éphésiens, l'apôtre Paul a parlé de la doctrine de l'adoption. C'est-à-dire, ici au verset, au chapitre 1, verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est-à-dire que Dieu, en nous amenant à lui, il nous a amenés à lui dans le but que nous devenions ses enfants. Et le fait d'être ses enfants nous qualifie à l'héritage de notre Père. Et imaginez que notre Père, et cela est vrai, vous n'avez pas besoin de l'imaginer parce que la Bible l'atteste, notre Père est propriétaire des cieux et de la terre, de toutes choses. Ce qui est visible, ce qui est invisible, de tout pouvoir, de toute autorité. Et lorsque nous devenons ses enfants, du coup, nous héritons aussi de ces choses-là. Ce qui veut dire que celui qui dérobe, celui qui vole, c'est celui qui ne comprend pas ce qu'il est. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans cet épître, avant de parler des choses pratiques, des faits pratiques, c'est-à-dire tels que le vol, le mensonge, la colère, etc., il a présenté d'abord la doctrine de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne n'a pas pour but seulement de changer notre comportement, mais plutôt d'abord et fondamentalement de changer notre vue du monde, c'est-à-dire l'ensemble des présupposés ou des croyances que nous avons au sujet de la réalité. C'est ça la vision du monde. La vision du monde, c'est-à-dire c'est la manière dont une personne ou un peuple où une nation voit la réalité autour d'elle et qui l'interprète d'une certaine manière. Et cela constitue la réalité ou la vision du monde, la manière dont tu regardes le monde. Ici, quand on parle de la vision du monde, on n'est pas en train de parler du genre la vision, je veux devenir directeur de cette compagnie, je veux devenir médecin, je veux bâtir une grande église, je veux devenir président de la République. Ça, c'est une vision hein, au sujet de sa vie par rapport au futur. Mais cette manière-là de projeter sa vie dans le futur pour dire je serai ceci ou je serai cela dépend de la manière dont on regarde, on considère le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que nous appelons la vision du monde. Et du coup, le christianisme nous offre, au travers de la parole de Dieu, une vision du monde qui émerge de Dieu, qui tire son origine de Dieu. En d'autres termes, nous partageons la même vision du monde que Dieu. Mais pourquoi ? Mais parce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 8 à 9, « Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. » Ce qui veut dire qu'en réalité, notre vrai conflit entre l'homme et Dieu, c'est le conflit qui relève de la définition de la réalité, c'est-à-dire de la manière de voir le monde et de l'interpréter. Vous savez, par exemple, nous, moi je suis un Africain, hein, ça vous saute aux yeux, n'est-ce pas? Je suis un Africain, et un Africain, par sa vision du monde, l'Africain voit le monde comme étant constitué du spirituel et du naturel. C'est pourquoi l'Africain, de façon générale, reconnaît qu'il y a un être suprême qui est Dieu, qui a existé avant tout et qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons point. Et
Cependant, dans cette manière-là de voir, l'Africain aussi voit qu'en dehors de Dieu qui est spirituel, il y a aussi des esprits mauvais qui veulent nuire aux gens. Et c'est ainsi qu'on parle aussi de la sorcellerie, etc., qui constituent des esprits mauvais. Mais l'Africain aussi, il faut le dire, croit aux ancêtres, c'est-à-dire leurs aïeux qui sont morts. Pour eux, les morts ne sont pas morts, ils sont vivants quelque part. Et ces morts-là veillent sur les vivants et ils apportent aussi l'assistance aux vivants. Ça, c'est la conception africaine. Et du coup, ce que nous voyons dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, est le reflet d'une réalité plus grande qui se trouve dans le monde spirituel. C'est pourquoi certains ont dit que l'Africain, et à raison d'ailleurs, que l'Africain est incurablement superstitieux. Toute maladie a une forme d'esprit derrière, a une forme de spiritualité derrière, rien ne se fait au hasard, etc. Et contrairement à l'homme blanc, par exemple, à l'occidental, l'occidental qui a une vision évolutionniste ou naturaliste, c'est-à-dire il n'existe pas de spirituel, il n'y a que le monde naturel dans lequel nous vivons et ce monde nous vient par le fait d'une évolution qui a eu lieu depuis le Big Bang, la théorie du Big Bang qui a eu lieu et qui a donné lieu à une évolution qui a conduit à l'existence de tout ce que nous voyons autour de nous. Du coup, la sorcellerie n'est pas vraiment une affaire qui préoccupe l'occidental. Vous voyez ? Et ça, c'est très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que ni celui qui a la vision naturaliste ou évolutionniste, c'est-à-dire l'occidental, et ni l'Africain, par exemple, qui a la vision, qui a une vision spirito-physique, disons-le comme ça, aucune de ces deux visions-là ne coïncide avec la vision que la Bible nous présente de la réalité. De la réalité ou du monde dans lequel nous vivons. La Bible a une autre vision, mais naturellement parce que le Seigneur a dit dans la Bible que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors par conséquent, la conversion au christianisme consiste à renoncer à soi-même, c'est-à-dire à renoncer à sa vision du monde, la vision personnelle du monde, que cette vision soit strictement personnelle ou qu'elle soit une vision qui appartient à toute la communauté, par exemple l'Occident ou les Européens, dans le cas d'espèce, et les Américains, bien entendu, mais aussi les Africains. Que cette vision du monde soit personnelle ou collective, eh ben, la Bible nous invite à y renoncer. Et à nous tourner vers Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, vous allez remarquer dans la plupart de ses épîtres, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il commence d'abord par un développement doctrinal. Je disais, il commence généralement par un développement doctrinal. Et dans ce développement doctrinal, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il cherche d'abord à altérer ou à nous conduire à réaliser que le mal en nous, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. C'est la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous considérons la réalité. C'est ça le mal. Et lorsque vous retournez à l'événement du jardin d'Éden, et vous allez tout de suite voir que le problème, c'était celui-là. C'est-à-dire, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable vient, il leur dit, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme de Dieu, et du coup, vous allez donc être semblable à Dieu. Et la Bible dit ceci, Ève regarda le fruit. Et elle vit que le fruit était bon à manger et capable de rendre sage. Vous voyez, elle a regardé le fruit,
et lui a donné une interprétation que Dieu n'avait pas donnée. Du coup, cette interprétation-là qu'elle avait donnée s'est distancée, s'est éloignée de l'interprétation de Dieu. Et c'est là la racine du péché et du mal. Car la Bible dit, il est telles sont les pensées dans son cœur. C'est-à-dire, avant d'agir ou de faire quelque chose, toute personne réfléchit ou pense à cette chose-là. Et ce qui permet à quelqu'un de déterminer s'il devra agir dans un sens comme dans un autre face à la chose qu'il est en train de regarder, c'est ce qu'on appelle la vision du monde, c'est-à-dire l'ensemble des présupposés, de choses qu'il croit être vraies sans les avoir testées. Les choses qu'il croit ou qu'elle croit être vraies sans les avoir testées lui-même. Et lorsque Ève regarde le fruit, la Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon et capable de rendre sage à salut, alors que Dieu avait dit que le fruit n'était pas bon. C'est-à-dire, en regardant le fruit, elle a déterminé une autre signification du fruit et de son rôle dans sa vie. Et c'est ce qu'on appelle la vision du monde. C'est-à-dire l'ensemble des croyances que l'on a au sujet de la réalité, au sujet de la vie, au sujet du futur, au sujet de ceux qui sont morts, au sujet de tout. Cela constitue notre vision du monde. Cependant, le christianisme, c'est un appel à renoncer à soi-même, c'est-à-dire à renoncer à sa vision du monde et ainsi embrasser la vision du monde de Dieu, c'est-à-dire la vision biblique du monde qui nous est pourvue dans les Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ici que celui qui dérobait, celui qui, dans sa première vision du monde, le vol était normal. Le vol était un acte de bravoure. Il y a des cultures comme ça. Où si tu voles un canard, ben, tu es vraiment brave. Hein? Et si tu voles les œufs, et tu es considéré comme un brave. Vous voyez? Mais l'apôtre Paul est en train de dire, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, eh ben, celui qui dérobait, qu'il ne dérobe plus. Mais à la place, qu'il fasse quoi? Mais qu'il travaille, qu'il aille travailler. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit la semence au semeur. À celui qui travaille, Dieu pourvoit le travail et Dieu il pourvoit aussi à la bénédiction, à la récolte, à la production lorsque l'on travaille. Et du coup, Dieu veut que nous puissions valoriser le travail. Et ça, c'est encore quelque chose de très important ici, surtout pour certains d'entre nous qui vivons. Vous savez, je l'ai dit au début de cette rencontre que je mets à partir de Kinshasa. Dans certaines cultures, il y a plusieurs chrétiens qui croient plus au miracle qu'au travail. Au miracle. Ils veulent que Dieu leur donne miraculeusement. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous pointer vers une vertu sur le travail, c'est l'effort. Le travail est rémunéré. Et parfois, nous vivons dans une société qui méprise le travail et l'effort, où la corruption règne, si bien que les gens ont perdu le goût du travail. Ceux qui vont à l'université terminent l'université, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Ou ceux qui n'ont jamais travailler nulle part, du coup, ils deviennent des autorités. Ceux qui n'ont jamais appris quelque chose à l'école, et il y a des jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont même découragés d'apprendre des métiers et d'apprendre le travail parce qu'ils se disent, mais bon, ça sert à quoi? Parce que tel et tel, il n'a pas été à l'école, il n'a pas appris le métier, il n'a pas travaillé, et bien voilà, il est ceci, il est cela, il est en train de brasser des millions de dollars, etc. Nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Nous devons nous rappeler que l'apôtre Paul nous parle du travail ici après avoir passé trois chapitres. Trois chapitres à nous parler de l'évangile qui nous amène une autre vision du monde, une autre manière de voir la réalité, de voir son prochain, de se voir soi-même, de voir sa nation et de l'interpréter
d'une manière conséquente. Voyez-vous ? Donc, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Maintenant, la question se pose de savoir, mais écoutez, mes pasteurs, mais si les gens qui sont autour de moi dérobent, tout le monde est en train de dérober, et si moi je ne dérobe pas, ils vont me persécuter, ils vont me faire du mal, et il y a même certains cas d'empoisonnement qui ont lieu comme ça, parce que quelqu'un a refusé la corruption, il a refusé de se comporter comme monsieur tout le monde. Eh bien, nous devons nous rappeler que la société ou l'environnement autour de nous ne devra pas nous forcer à nous opposer à la parole de Dieu. Nous devons nous opposer à ce à quoi l'environnement autour de nous nous entraîne. Ce en quoi l'environnement autour de nous entraîne. Ce nous entraîne au mensonge, au vol, et nous devons nous tenir contre ça. Pourquoi ? Parce que pour nous, travailler, c'est obéir à Dieu. Vous savez, le travail dans le monde n'est pas le résultat du péché. Dieu, la Bible dit que Dieu avait, lorsqu'il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc c'est ça le travail. Donc le travail est venu avant que la chute n'intervienne. Ce qui est venu après la chute, c'est le fait qu'au travail a été ajoutée la peine, la douleur. C'est-à-dire que, bon, maintenant tu vas travailler certes, mais en travaillant, tu dois suer parce que tu as commis le péché. Et la souffrance a été ajoutée. Vous voyez, mais béni soit Dieu de ce que Dieu nous délivrera lorsque Christ reviendra de la souffrance qui accompagne le travail, mais nous travaillerons toujours. Lorsque Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous y serons comme des travailleurs, car le travail anoblit l'homme, le travail accomplit l'homme. Le travail glorifie Dieu. Le travail enrichit l'homme. Vous voyez ? Et quand tu travailles, regarde ce que le travail fait. Le travail devient un outil de ministère. Parce que l'apôtre Paul ajoute en disant, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est donc supposé que quand tu travailles, tu auras suffisamment pour rencontrer tes besoins, et tu auras même un surplus pour rendre ministère aux autres, pour donner aux autres, pour aider les autres. Du coup, vous comprenez ici, nous sommes dans la logique du corps de Christ. Nous sommes dans la logique de la communauté. Car la vie humaine n'a jamais été conçue par Dieu pour être vécue en solo, dans son coin, faisant ce truc. C'est bien beau, parfois, bon, on dit, bon, écoute, je vis de problèmes avec les gens, hein, je vais être dans mon coin, etc. Tu ne seras jamais en réalité dans ton coin. Parce que tu auras besoin d'aller au travail, tu dois travailler pour les autres, tu dois être embauché par quelqu'un d'autre, tu dois étudier et quelqu'un d'autre doit t'enseigner, tu dois aller à l'hôpital te faire soigner, quelqu'un d'autre doit te soigner. Donc tu ne peux pas faire tout seul. Et à plus forte raison, dans le contexte de Éphésiens chapitre 4, qu'il s'agit ici de la vie de l'Église, c'est-à-dire la vie en communauté en tant que croyant, en tant que chrétien. L'apôtre Paul est en train de dire que nous devons travailler afin de rendre de l'assistance aux autres, afin de rencontrer le besoin des autres. Donc du coup, nous comprenons pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, un, qu'il renonce à lui-même, deux, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix dont il est question, c'est la croix du renoncement à une vie auto-centrée ou centrée sur soi-même, où on ne travaille que pour ses propres intérêts, on ne travaille pas pour les autres. La bénédiction ne vient pas de ce que tu récoltes pour toi-même. La bénédiction vient du fait que, à
sur base de ce que tu récoltes comme fruit de ton travail, tu es capable de l'utiliser pour apporter des changements dans la vie des autres. Et c'est pour ça que je pense que l'évangile est le seul modèle qui peut nous aider à vivre la vie en communauté de manière à faire prospérer, à faire avancer notre communauté. Et particulièrement, nous qui sommes au sud du désert de Sahara, eh ben, où il y a plusieurs pays africains sous-développés, etc. Hein, ceux qui sont dans le tiers-monde, hein, de façon générale, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Nous devons réaliser que parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le christianisme, le centre du christianisme s'est déplacé. Il est parti du nord, de l'hémisphère nord, vers l'hémisphère sud. Et il n'est un secret pour personne que, en fait, entre autres raisons qui fait que plusieurs personnes au sud de notre globe, c'est-à-dire dans les pays du tiers-monde, sont en train de prier, c'est à cause de la souffrance. C'est à cause de la pauvreté, par exemple. Alors, voyez-vous, et entre autres raisons de l'existence de la pauvreté, c'est la mauvaise gestion de l'affaire publique. Et cette mauvaise gestion des affaires publiques vient d'un sens prononcé de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Et l'évangile a le seul modèle qui nous permet, dès le départ, de nous débarrasser de cet égoïsme-là. Comment ? Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Cette croix, c'est ce poids que nous recevons, que nous vivons, que nous ressentons, voulais-je dire, par le fait de vivre en communauté avec les autres. Par le fait de la communauté avec les autres, parce que là, nous ne cherchons pas seulement à rencontrer nos besoins personnels, mais nous cherchons à rencontrer le besoin des autres. N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Le Fils de Dieu, l'héritier de toutes les richesses de Dieu. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, et sur la terre, il a donné sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a produit le travail de son âme. Il n'était pas commerçant, il n'était pas businessman, il n'était pas un homme politique. Il a renoncé à toute forme de pouvoir. Il a donné son âme, le travail de son âme. Dieu l'a reçu. Et par ce travail-là, Dieu nous a donné le salut. La beauté, la richesse de la vie chrétienne ne réside pas dans le fait d'accumuler pour soi-même, mais réside dans le fait de partager avec les autres sa propre vie. Car le travail de nos mains, c'est la sueur de notre front, mais aussi c'est notre vie. Dans chaque œuvre de nos mains, il y a comme qui dirait notre sang dedans. Car nous avons travaillé, nous avons investi notre vie dans le travail que nous faisons. Et quand nous prenons le produit de ce travail-là et nous le partageons avec les autres, nous partageons de cette manière notre vie avec les autres. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur, voulais-je dire, à donner qu'à recevoir. Car quand tu donnes, tu fais comme Jésus. Et Jésus, le fait qu'il a donné, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il s'est rendu serviteur. Il s'est humilié, se rendant obéissant. Jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et la suite,
C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes par défaut en tant qu'être humain, à cause de la nature pécheresse qui est incrustée dans notre nature, nous sommes par défaut des égoïstes attitrés, des égoïstes patentés. Mais le christianisme et ce sens d'égoïsme-là fait que dans tout ce que nous faisons, nous recherchons toujours notre propre intérêt. Et le christianisme se constate, ou la conversion, disons-le comme ça, se constate dans la vie de quelqu'un, non pas d'abord par le fait qu'il va à l'église, il prie, il fait des dons à l'église, il aide des gens, etc., mais par le fait qu'il est capable de donner sa vie pour les autres. Et je crois que c'est l'interprétation appropriée de Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » C'est-à-dire, le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. C'est de devenir comme Jésus. De quel Jésus s'agit-il? Celui qui est assis sur le trône au ciel? Non. Celui qui a vécu sur cette terre, qui s'est humilié lui-même, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, qui s'est humilié lui-même, qui a donné de sa vie, qui a vécu chaque minute, chaque instant de sa vie pour rechercher le salut de ceux-là qu'il devait en fait juger et détruire parce qu'ils avaient offensé son Père. Ils l'avaient aussi offensé. Mais au lieu de les détruire, Jésus a décidé de donner sa vie pour nous. Donc devenir chrétien, c'est cela le secret. C'est de donner sa vie aux autres. Et Dieu ne voudrait pas que tu donnes ce que tu as dérobé. Parce que ce que tu as dérobé n'est pas ta vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre que tu as dérobé. Ce que tu as volé par la corruption, par le mensonge, par le trucage, par toutes sortes d'artifices ou d'astuces, tu as volé la vie de quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas partager cela. Tu ne peux partager que ce qui t'appartient, ce qui représente le prolongement de ta propre vie. Et tu vas dire, mais pasteur, moi je n'ai rien, comment je vais partager avec les autres, etc. Dieu ne nous laissera jamais sans rien. Dieu ne nous laissera jamais bréduits, mains vides, incapables d'assister les autres. Dieu mettra toujours entre nos mains quelque chose que nous pouvons partager avec les autres. Quelle que soit sa dimension, que ce soit petit ou grand, Dieu nous donnera toujours. Sinon, tu ne partageras jamais avec les autres parce que tu n'en auras jamais assez. Tu n'en auras jamais assez d'abord pour toi-même et tu seras par conséquent pas capable et en mesure de donner aux autres. Il faudra que quand tu quittes ce monde, que tu sois capable de dire que derrière moi, j'ai donné la vie aux autres. J'ai aidé les autres. J'ai donné l'occasion aux autres d'adorer Dieu pour ma vie, de bénir Dieu pour mon anniversaire, le jour où je suis né, car c'est une bonne nouvelle pour eux, car tu as apporté des choses pour eux. Alors c'est pour ça que je suis un peu quelque peu contre, ou je m'oppose, sur base de la parole de Dieu du reste, hein, à cette articulation que nous avons aujourd'hui dans l'Église qui consiste, bon voilà, à dire attention, il ne faut pas aider n'importe qui parce que tu ne connais pas son état d'âme, attention, il y en a qui ont des esprits démoniaques, si tu l'aides, et ben il va prendre cette aide-là et il va aller dans le monde des ténèbres, il va aller t'ensorceler, etc. Non, loin s'en faut. Il faut absolument s'éloigner de ce genre d'enseignement. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si tu devras donner à tes ennemis, à combien plus forte raison ne devrais-tu pas donner aux bien-aimés de Dieu, aux enfants de Dieu? Aujourd'hui,
l'égoïsme, l'amour du plusieurs a baissé, a diminué. Et on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas partager son pain avec les autres. La capacité de partager et de donner le peu qu'on a avec les autres est un signe de la nouvelle naissance. Est un signe d'amour. Car même si je parle la langue des anges, même si j'ai la foi à transporter des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui fait du bruit et qui dérange. Aujourd'hui, nous devons absolument revoir notre chrétienté. Nous avons de plus en plus perdu le sens de la communauté, le sens de l'appartenance, et même à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, on vient à l'église justement parce que, en venant à l'église, on va prier pour nous. Et quand on donne parce que le donner produit la bénédiction. Si tu paies la dîme, si tu donnes les offrandes, si tu aides les gens, tu vas avoir, Dieu va te bénir. En d'autres termes, tu ne donnes à personne, tu te donnes à toi-même. Tu te donnes à toi-même. Tu donnes pour recevoir, mais tu ne donnes pas pour investir ta vie dans les autres. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Celui qui dérobait, qu'il ne dérobe plus, mais qu'il travaille avec ses propres mains, qu'il fasse quelque chose de bien avec ses propres mains, quelque chose qui glorifie Dieu, un travail qui glorifie Dieu. Ne va pas travailler dans un cartel d'exploitation de la drogue, de la mafia, des commerces illicites, etc., de choses, de la prostitution. Non, fais quelque chose de bien, car ce que tu fais avec tes mains porte ta vie en soi. Et ce que tu donnes aux autres est une extension de ta vie que tu donnes aux autres. Et rappelle-toi que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Du coup, quand tu prends le produit de ta sueur, de ton front, de tes efforts, tu le partages avec quelqu'un d'autre, tu es en train de partager aussi la vie de Christ avec lui. Parce que Christ vit en toi, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la grâce de Dieu. La Bible dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Il y a des gens qui sont carrément avares. Ils ont tout le temps la calculatrice entre les mains, en train de tout calculer. Ils ne peuvent pas donner parce que ce n'est pas assez. Même quand tu auras des millions, ça ne sera jamais assez. Nous ne donnons pas parce que nous en avons beaucoup. Nous donnons parce que c'est notre vocation. Car, rappelons-nous, c'est ce que le texte dit. Au premier verset, qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Comment il faut marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée? Et il répond à cela, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si ton objectif est de donner à celui qui est dans le besoin, Dieu te donnera suffisamment pour toi et pour l'autre. Mais si ton objectif est pour rencontrer tes besoins et réaliser tes ambitions personnelles, tu n'en auras pas assez. Tu n'en auras jamais assez. Même quand tu auras des millions, ce ne sera jamais assez. Tu auras toujours l'impression que non, je n'en ai pas encore assez. Quand j'en aurai, je le donnerai. Rappelle-toi, Jésus a dit ceci.
Lorsque vous prenez ce verre d'eau, vous donnez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez donné. Vous voyez? Quand vous prenez votre pain, vous partagez avec un frère dans le Seigneur. C'est avec Jésus que vous avez partagé. Quand vous prenez un verre d'eau, vous partagez avec un frère dans la foi. C'est à Jésus que vous avez donné. Et il vous rappellera cela dans son royaume. Et vous récompensera. C'est pourquoi ne regrettez pas ce que vous faites pour les autres. Même s'il est vrai, c'était des frères que tu avais aidés dans la foi. Ils se sont démontrés ingrats après. Ils ne t'ont jamais dit merci. Ils t'ont d'ailleurs fait du mal comme si tu les avais jamais aidés dans leur vie. Ne regrette jamais. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes, tu as donné à cette personne ou à cette personne, tu l'as donné à Dieu. Tu l'as donné à Jésus. Et Jésus a déjà reçu ça. Jésus a déjà bouffé ça. Donc, si cette personne-là se montre ingrat après, c'est trop tard. Parce qu'il a déjà consommé ce que Dieu t'a utilisé à lui donner. Tu lui as donné la vie de Jésus. Tu lui as donné ce qui appartient à Jésus. Et par conséquent, ne regrette rien. C'est pourquoi, pardonne. Pardonne ceux-là qui t'ont fait du mal. Et vous allez remarquer que l'apôtre Paul est plus loin. Il va dire, dans les textes qui, par la suite, il va dire que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Même si les gens se sont montrés ingrats, tu les as aidés, tu les as envoyés à l'école, tu les as soutenus dans leur mariage, tu as aidé cette maman-là lorsqu'elle avait accouché et n'avait personne à côté. C'est toi qui allais appliquer de l'eau chaude sur son ventre. Tu l'as aidée de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est en train de te critiquer. Ne regrette pas cette eau chaude-là. Ne regrette pas ce que tu avais fait pour elle. Parce que ce que tu avais fait pour elle ou pour cet autre frère-là, tu l'avais fait à Jésus. Et Jésus te récompensera pour cela. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné a permis à Jésus de se glorifier et d'aider, de faire avancer son royaume. Mon frère, ma soeur, n'est-ce pas là un secret aussi pour être béni par Dieu? Le secret qui consiste à dire, Seigneur, quand tu vas me donner, je vais acheter 20 chaises pour l'église. Seigneur, quand tu vas me donner, je vais payer Minerval à un orphelin. Seigneur, quand tu vas me donner, si tu vas me donner ce travail-là, tu vas me bénir, je vais aider à notre église à soutenir les malades, à faire ceci, à faire cela. Ou je vais aider mon voisin qui peut-être ne vient pas dans mon église, mais qui va dans une autre église, mais qui est dans le besoin et qui n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Si c'est cela ta prière, Dieu va te donner. En d'autres termes, aussi, tu peux aussi commencer à demander à Dieu cette sorte de passion. Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de vos fardeaux. Moi, je vous donnerai mon fardeau. Mon fardeau est léger. Alors, il faut demander à Jésus son fardeau. Le fardeau qui consiste à soutenir et à aider les autres pour la gloire de Christ et à faire avancer l'œuvre de Dieu au travers de ce que vous avez comme bénédiction par le fruit de votre travail. Alors, bien-aimé mon Seigneur, aujourd'hui, avant de vous laisser partir, je veux vous demander une chose. Deux choses, je dois dire. La première, si vous pouvez cliquer au bas de cette vidéo pour aimer la vidéo, parce que lorsque vous le faites, eh ben ça va, l'algorithme de YouTube va réaliser que beaucoup de gens aiment cette vidéo. Alors je dois pousser ça vers d'autres personnes pour qu'ils puissent voir. De cette manière-là, tu contribues à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Et recommande cette chaîne à quelqu'un d'autre pour écouter la parole de Dieu que nous partageons ici. Voyez-vous? Mais aussi, je voudrais
En deuxième lieu, vous demandez de partager ce lien avec d'autres personnes. Postez ça sur votre statut YouTube, mettez ça sur votre mur Facebook ou envoyez ça par WhatsApp à quelqu'un d'autre qui va écouter cette parole et qui va être aussi béni comme vous avez été béni. J'espère que c'est le cas pour vous. Alors, comment devons-nous prier aujourd'hui pour terminer? Comment devons-nous prier? Nous devons prier pour que Dieu nous aide à arrêter, à dérober, à voler. Le vol doit disparaître de notre vie. De vol explicite ou implicite. De vol direct ou indirect. Deuxièmement, nous devons demander à Dieu de nous donner la passion de travailler. De travailler, valoriser notre vie. La vie ne sera pas toujours faite de miracles. Attention à ces pasteurs qui vous promettent de miracles, toujours des miracles, du miracle, Dieu va faire ceci. Non, il n'y aura pas de miracle chaque jour. Tu dois travailler. Et tu dois t'améliorer dans ton travail. Tu dois être excellent dans ton travail pour gagner l'approbation de ton superviseur afin que tu montes de grade, tu reçoives la promotion. Car la promotion va venir aussi avec une amélioration de salaire. Et cette amélioration de salaire va donner des moyens entre tes mains qui vont te permettre aussi d'aider encore un peu plus de gens. Vous voyez ? C'est comme ça que nous devons prier. Et nous devons prier que Dieu mette dans notre cœur le désir de contribuer dans la vie des autres et aussi à l'avancement de son œuvre. C'est comme ça que nous devons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce moment de communion au travers de ta parole. Je te rends grâce et te bénis. Je demande que cette parole que nous avons écoutée, que le Saint-Esprit nous aide à l'intérioriser, à l'appliquer dans notre vie et à partager avec les autres pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Nous te demandons de faire de nous, non pas seulement des auditeurs, et surtout pas des auditeurs oublieux de la parole, mais ceux qui pratiquent la parole, Seigneur. Aide-nous à la pratiquer par ta grâce. Aide-nous aussi à la partager avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à arrêter à dérober, à travailler avec nos mains et ainsi être à mesure de donner aussi aux autres. Béni sois-tu, notre Dieu. Aide-nous à nous retrouver encore le mercredi prochain par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et que Dieu vous bénisse avec votre famille à mercredi prochain. Bye bye.